Si votre véhicule diesel fume comme ceci, vous échouerez au contrôle technique pour opacité des fumées d'échappement. Dans la plupart des cas, les fumées noires proviennent d'un encrassement trop important ou d'un filtre à air encrassé. Vérifiez que votre filtre à air n'est pas encrassé et changez-le si besoin. Si vous avez un lecteur de code défaut, assurez que votre système anti-pollution n'est pas défaillant. Sur ce véhicule, les défauts présents ne sont pas en rapport avec le système anti-pollution. Il s'agit bien d'un problème d'encrassement du moteur. Pour décrasser le moteur, nous allons utiliser ce produit décrassant. Versez le produit dans le réservoir de carburant. Ajoutez du carburant pour qu'il y ait au moins 30 litres dans le réservoir. Un flacon traite jusqu'à 70 litres de gazole. Il faut prévoir de rouler au moins 150 km avant tout passage au contrôle technique. L'efficacité du produit sera accrue si vous roulez de temps à autre avec un moteur chaud en sur-régime. Attention, la courroie de distribution doit être en bon état pour pouvoir monter dans les tours sans risque pour le moteur. Rouler en sur-régime ne veut pas dire vitesse excessive. Le sur-régime s'obtient en sélectionnant une vitesse en dessous de la normale pour que le moteur tourne entre 3000 et 4000 tours par minute. Faites des pauses entre deux cycles pour éviter la surchauffe du moteur, puis remontez à nouveau dans les tours. Vous pouvez également accélérer le moteur à vide de cette façon pour décrasser le moteur. Après 160 km, la fumée est moins épaisse. Après 340 km, la fumée est presque transparente. Lorsque la fumée est transparente, vous pouvez repasser le contrôle technique. Sur ce véhicule, l'émission à l'échappement est passée de 2,3 à 0,62 grâce au décrassage du moteur. Le contrôle technique est réussi.